c'est la 19e étape du Tour de France, une étape dite de transition où les baroudeurs avaient l'espoir cette fois d'aller chercher une victoire d'étape. C'était leur dernière occasion parce qu'on le sait, sur les Champs-Élysées, les sprinteurs voudront avoir la même mise sur la course et sur les pentes du Mont Ventoux, ce sera le tour des grimpeurs. Donc aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'attaques en début de course, beaucoup de coureurs essayaient donc de prendre la bonne échappée. Malheureusement pour eux, aucun Rabobank ne s'est glissé dans le groupe de 19. Et cette équipe Rabobank, qui n'a rien gagné sur le tour, a roulé toute la journée pour essayer de revenir. Et finalement, la jonction s'est opérée au pied de la dernière ascension, à 25 km de l'arrivée. Laurent Lefebvre et le champion du monde Alessandro Ballan ont montré les dents, ont attaqué dans la montée. Ils ont bien résisté au retour du peloton, mais les sprinteurs ont réussi à s'accrocher dans cette montée et se sont disputés un sprint royal à Aubenas. Une arrivée un petit peu périlleuse où Contador a lâché 4 secondes pour ne pas prendre de risque. Mais où Cavendish s'est imposé avec autorité à Tourischoff. Cavendish revient dans la course pour le maillot vert.